we break down news, views, and the hip-hop movement. Right now. T'as compris le concept? Non, on va dire... Je peux t'aider, t'es pas. Alors, donne-moi... présente-toi. Donc, 6 francs R.A.F. Voilà. Ok. Donne-moi ton hip-hop origine. Hip-hop origine, c'est comment t'as commencé dans la culture hip-hop. Donc, comment moi j'ai rencontré la culture hip-hop, déjà je suis fan de Michael. Ouais. Donc à partir de là, voilà, il y a eu des mouvements que j'ai kiffé. Et à partir de là, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient... plus ou moins se ressembler en fait. Mais est-ce que par hasard, quand tu as commencé vraiment à rentrer dans la culture hip-hop, est-ce que tu pourrais donner une année? Ouais, 90. 1990, ouais. Ok. Est-ce que c'est à l'occasion? Ouais, 95, ouais. Ok, c'est là où tout le monde a repris réellement. Mais est-ce que tu pourrais dire en 95 que tu as vu quelqu'un en particulier qui t'a donné envie d'aller dans l'hip-hop? Et si tu as été dans l'hip-hop, dans quelle danse tu as été en premier? Bah, en fait, j'avais vu... En fait, c'était des potes à moi du quartier en fait. Qui, quel quartier où? Montfermeil. Montfermeil. Voilà, Montfermeil. Big up à Montfermeil. Big up, parce que c'est ma vie. D'accord, et dans son question, est-ce que tu peux te dire qui c'était pour l'époque? Franchement, je l'ai vu une fois, salut! Disparition. Après en fait, j'ai essayé, quoi, je me suis entraîné à Châtelet, Lascarré. De là j'ai vu vraiment beaucoup... Comment t'as connu Châtelet? Comment ça s'est passé le cheminement? Bah en fait, j'allais faire des courses avec mes parents et voilà... De Montfermeil à Châtelet? Ouais, bah voilà. Ouais, t'as été acheter des vêtements? Salut! Voilà. Et t'es passé près du coin sous la piscine? Sous la piscine, à côté de la piscine. Voilà, côté de la piscine plutôt. Sous le cinéma. Ouais, exactement. Et voilà, ElectroShock, j'ai fait, oh, c'est ça, Pure Vibe, etc. Est-ce que t'as vu des danseurs en particulier qui t'ont par rapport à ElectroShock pour l'époque? Claes Empathy en fait. Bah, ok. Le Galion, 95. Exactement, voilà. Exactement. Et voilà, ça a été mon mentor. J'ai commencé avec lui. Donc dans le pop. Mais comment ça s'est passé le tour entre toi? Comment t'as connu Clay? C'est-à-dire tu l'as vu danser, après comment t'as fait pour le retrouver, pour danser avec lui, tout ça, comment ça s'est passé? Bah en fait il y avait justement une amie de Montfermeil qui prenait des cours avec lui au Galion en fait. Et donc du coup voilà, elle m'a dit vas-y viens, je suis parti et voilà. Ouverture. D'accord, donc ça veut dire qu'au départ tu as commencé avec le pop. Exactement. Pop, même le lop aussi. Et après, voilà, j'ai dévié vers j'ai orienté plutôt ma danse vers la new style, quoi. D'accord, est-ce que tu pourrais dire que pour l'époque, il y a quelqu'un qui t'a aiguillé ou qui t'a incité dans une direction au niveau de la danse? Ouais, Claes. S'il y a une personne que tu te remercierais, ça serait plutôt lui. Ouais, Claes et mon groupe, mon premier groupe Mista, voilà, mon permis Claes sous bois. Et une dernière question, est-ce que tu peux dire que durant en 95, quand tu t'es dirigé vers le pop, tout ça, est-ce qu'il y a des danseurs qui t'ont donné envie d'aller dans une direction, pas t'aider, mais qui tu dis oh ce type de danse là c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Non. En 95? Ouais, 95, jusqu'à 2000, non. En New Style non plus? Ouais, non. En fait, l'accès à l'information, déjà, à cette époque, elle était moins grande. Ah non, mais il n'y avait rien. Et du coup, moi, je me référais juste à une personne, en fait. Bah ouais, mais je comprends. Claes. Du coup, Claes. Ah, du coup, Claes. Après, j'ai rencontré R.A.F. plus tard, etc. Et voilà, ça a ouvert aussi le panel. Très bien, Francis. Merci, porte bien. Merci.